D'abord, sur le message d'ensemble tel qu'il figure au début de la lettre, constater que l'Europe et la France ont connu en 2017 une très forte croissance, la plus forte depuis 10 ans, 2,6% pour la zone euro, 2,3% pour la France. Il y a en 2018 l'installation de la croissance sur une trajectoire qui est moins forte, mais qui reste soutenue. Et il y a un monde qui devient plus instable, incontestablement, avec le retour d'une part d'incertitude dans la zone euro. Pour autant, je crois que c'est le message central de cette lettre, notre mobilisation ne doit en rien faiblir. Et les trois impératifs que vous voyez correspondent aux trois parties de la lettre. Alors nous avons cédé au plaisir de l'allitération. Apprécier la croissance, renforcer notre vigilance et saisir la chance de la France.